Chers frères et sœurs, bismillah. Pour aujourd'hui, nous prenons le hadith. Mais seulement le hadith, là, inshallah, basant le nom, situation, nous essayons de détailler quelques ben la loi que Allah subhanahu wa ta'ala porte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam amin via nous. Afin que, inshallah, majorité parmi nos bons frères, je profite avec lui. C'est quoi? Dîn islam est divisé en deux. Quand vous avez dîn islam ici, c'est un règlement, ou bien un ibadah. La dame même qui ou bien roussel, ouazou, namaz, tayammoum, namaz, nazar, rosa, hajj, lecture courante, ça veut dire ibadah, spirituel. L'autre côté, ou bien mu'amala, transaction. Dans transaction, c'est tout bon petite chose qui est un témoin. Nika, talak, asté vendé, ça qui nous dit le bouillon, tout ça là. Donc, ça hadith qui prend avec nous, là, comme de l'autre côté. En deux, mon cher frère, c'est le commerce. Comment nous connaissons la situation? Beaucoup de frères parmi nous, bon commerce, hein? Une question que vous devez comprendre, un commerçant dans l'islam, islam, c'est pas un celui qui l'a sur passeport, il me disait écrire businessman. Un businessman, moi. Dans l'islam, islam, un commerçant, c'est sa frère qui va nous retirer au chemin là. Il y a un commerçant dans l'islam. Sa cala qui va nous pistasse là, dans l'islam, reconnaît comme un commerçant ça. Sa kala qui va me balayer là, il a coupé, il a tassé là, dans le dîner reconnaît comme un commerçant. Un commerçant pas nécessaire, on n'a pas temple ou non. Il faut demander un magasin. Et là, il dit, vous dites, oh, tout le monde, on a un magasin, on a un commerçant. Pas nécessaire, t'as choisi un mauvais qui passe. En d'autres mots, n'importe qui chose qui te prend avec l'intention de vanner pour te gagner profit, appelle-toi un commerçant de l'islam. N'importe qui chose qui te prend, tu es capable de venir à capable de venir te donner un cadeau, mais tu décides pour vanner. Tu fais l'intention pour vanner avec une idée pour mettre profit là, tu es un commerçant là. Donc, hadith qui est avec nous, rapporté par Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, de dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, Al-Bayiran bil-Khiyar, les vendeurs et l'acheteur, je donne le choix. Tant qu'ils ne sont pas encore séparés. Al-Bayiran bil-Khiyar, ma lam yatafarraqa. Si je couvre et expose tout le défaut qu'il y a dans la vente, fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans la vente. Wa in katama wa kadhaba ma haqqat barakatan bay'ihima. Si je cause menti ou bien je cache quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala enlève ce bénédiction. Hadith, ça c'est tout là. Nous commençons. Hadith a rapporté pour Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, radiallahu anhu, c'était neveu de Khadija, radiallahu anhu. Il était plus grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 15 ans avant naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu dans la terre. Il veut dire 15 ans, il est plus grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parmi ceux qui prend naissance dans la Kaaba. Hakim ibn Hizam, parmi ceux qui prend naissance dans la Kaaba. Pas que moi, il y a des gens qui ont dit, je ne suis pas sur la vie, il y a des gens qui ont dit, je ne suis pas sur la vie, je ne suis pas sur la vie, je ne suis pas sur la vie.
Il y a du monde qui a dit ouvert. Mais seulement, lui parmi ban qui vient prendre naissance. Lui qui embrasse l'islam, il vient retourner vers l'islam à l'âge de 60 ans. Et Nimo à l'âge de 120 ans. Donc 60 ans, il vit en dehors de l'islam, et 60 ans, il vit dans l'islam. Ça embrasse sur la vie. Il rapporte un hadith depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'un donné qui est le plus grand, qui rassemble sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on nous dit 15 ans, les plus grands, lui dire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, l'acheter et le vendre bil khiyar, je t'en ai le choix. Qui veut dire ça? L'acheter, casse de molami. Vendre l'article d'au moins. Dans la loi d'île, nous pas gain droit impose aux personnes. Dit ça m'a payé de toi, mais seulement à une condition. Toi, le prends qu'un carré contre moi, là, on va bien en faire. Tu as besoin de poser le livre, tu prends. Un acheteur, il a besoin de mon livre, frère. Dimanche, grand matin, je rentre dans le food court. Même moi, comme toi, je n'ai pas besoin de mon ministère, toi. Mon livre. Dimanche, grand matin, comme moi, j'ai retiré, vous trouvez la rue boulevard. Personne n'a pas de problème. T'es obligé, c'est contre moi aujourd'hui, là. Pas dit ça. Parce qu'il l'achetait et les vendait, je te libre. Ça montre, nous, chers frères et sœurs, que la base de l'islam, un dimoun apporte la loi à Allah, il est libre. C'est nous qui l'attachons avec quelque chose. Nous qui allons mettre dans une restriction, là, nous. À part la loi l'ex-prophète, nous disons, nous libre, nous. Tant qu'il nous travaille avec l'ex-prophète, ça qui nous dit, nous. Mais c'est moi qui n'ai envie de rentrer dans tel groupe, rentrer dans telle société, rentrer dans telle maison. Donc, banal, là-bas, dis moi comme ça, tu n'as pas gagné de mettre chaussettes noires, tu n'as pas gagné de mettre bonnet blanc. Mais tant qu'il rentre dedans. Mais sinon, un du monde est libre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continue de dire sa liberté là, tant qu'ils ne sont pas encore séparés. De dire, mon vin avec vous, mon demande roti comme mon dit, nous qui carrie, non? Mon dit, même me prend 6 parfums, non? Roti, il casse plus, ma il y a un roti à la douzaine. Il finit fait soi là, il reste moi qu'on capable, allez. Moi qu'on capable, allez là. Puis il y en a un qui est obligé, moi m'oblige à ce côté. Ça dit, frère. Vous connaissez pour les deux là, hein? Veut dire, moi, on s'en va ainsi pareil. Vous savez, on s'en va ainsi pareil. Veut dire, quand la laine rentrait, il me dit, nous, la cuisse comme il me dit, nous, les ailes comme il me dit, nous, blanc comme il me dit, après, on lirait, virer pour la rime à gouiller. Mais vous venez pas au collier, là? Qui fait? Parce qu'il y en a le choix, oui, non? Ça dit. Si je devais ridicule et je t'expose des faux qui est là, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat là-dedans, bénédiction. Nous, si nous gagnons, Inch'Allah, nous gagnons barakat là-dedans, venez, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala met barakat là-dedans. Qui veut dire lui être véridique et lui expose des faux? Bon, vous dire franchement, il paraît neuf, mais c'est moi c'est bon de mettre. Dis-moi là, inasté, il n'y a pas de servir. Même il va servir, il finit une seconde, parce que dis-moi, il finit. Bon, vous dire au fond, pas gâteau grand matin, c'est un hier ça. Vous dire? Parce que ou pas vous connaissez, ou. Et dans dis-moi, ce qu'il y a pour qu'on connaît quand il y a ces poissons, comment il connaît poisson frais ça? Et n'avez pas besoin avec moi, nous connaissons ça. Quand on trouve sous des déchets via là-haut, qu'on n'est pas pour son frère, ça. Il doit friser ça. Quand on trouve sous des déchets via là-haut, qu'on n'est pas pour son frère, ça. Mais déjà, il passe de friser quelques jours, ensuite, il amène ça, il dit, délolé, il n'est pas son frère.
non, pas frais là. Les frais dans le sens qui, ils sont de friser. Ils vont congeler l'église, mais seulement, par contre, ils sont de bateau du mineur. Je me dis, au fond, bateau semaine passée, ça. Je me dis, au fond. Le Dieu m'expose tout ce qui est dans le sens de mon autre. Et moi, si je m'écoute tout, on a le choix. Bon, si elle n'est pas servie du tout, mais boîte là cassée, c'est ma bouille, avec l'in dans la canne, cassée, l'in, mettre de courant, prenez une trouvée, il ramasse, il n'est pas servie. Bon, si elle se bat, ça vient de passer ça, parce qu'il m'aurait dit ça pour la son nom, ça va passer, c'est automatiquement, ça vient de passer, comment va-t-elle poster? Pose-vous question, mais à la fin, si nous tous les deux, d'accord, il expose tout, ça casse qui m'a donné nous, en tant qu'un acheteur, à la mettre baraka dedans, dans sa 13 roupies qui vous pouvez prendre pour une routine là, à la mettre baraka dans sa 13 roupies là. Ou pas de courant pour sa 13 roupies là. Pas de 15 roupies ou. Comparé à ça qui va dire, paiement sport de 100 000 là, là, il peut manger la fuite du monde. Ou 15 roupies à la mettre baraka là dedans. Prends-y frère. Ça la toile là, on peut faire l'insigne avec ça, je dis franchement, il se trouve l'année passée ça. Ou pas, ou pas. Il y en a. L'État a acheté, moi, me prends mes poissons, moi, me prends mes poules, moi, me prends. Ça a acheté, même pour le consommer, même pour le servir, à la mettre barakat là-dedans. Je mange un petit guide, même Alhamdulillah, me prends tout plein. Comme je mange beaucoup. Beaucoup de nains avec lui, Alhamdulillah, après 3 ans, je service à nains là. Pas ici, pas non, rien. Barakat vient de quelque chose, frère. Sans qu'Allah mette baraka dans quelque chose. Mais le contraire, sans aucun doute, c'est arrivé, dit mon nom, de cacher. Ou bien des causes menties, Allah subhanahu wa ta'ala enlève ce bénédiction. Dès là, nous trouvons, chers frères et sœurs, n'importe qui quelque chose qui est vendu avec l'idée profit et l'acheteur, il vient de le prendre, paguette-le la somme. Mais quelle que soit la somme qui y était, appelle ça un commerce, Allah subhanahu wa ta'ala subaraka descend là-dedans. Si Dimoun n'a pas de cachette, non, il n'y a pas de cause menti. Et le contraire, c'est vrai, si Dimoun a fait une cachette quelque chose. À partir de ce haditha, Gouba nous dit, il y a beaucoup frais pour nous faire le commerce. Commerce, c'est un travail noble. Comment nous connaît? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait commerce. Avant qu'il gagne la prophétie, il dit avec ce tchatcha la Syrie pour commerce. Il dit pas de travail pour Rodi, il dit Allah, hein? Vous connaissez, pas pour commerce comme Rockers, vous résistez pour gagner patron de la municipalité, après vous la table de Yoban. On verra. Si vous pouvez faire le commerce, quel que soit ou l'antique, connaissez au prophète, fait commerce. Dites combien qui se dit pour songer là-dedans, frère. Parce qu'il est là où on connaît, où on a besoin de la table, juste de la censée, ou bien côté d'escalier, man. Même si tu as envie de manger, tu as envie de manger un fond pour le voir. Si je continue à suivre ça qui me prouve d'une fille de le commerce, ben, la carte qui m'a besoin, pas qu'à ça qui m'a besoin. Donc, première petite chose de base, chers frères et sœurs, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tient commerçant. Connais le média Bansé, parce qu'il y a ce dit, dès que la Ramadan peut rentrer, comme il sait qu'on est déjà dans l'engagement pour tracer là, un samoussa, un hoffmoun, un tipaté. C'est il y a la carte là-dedans, ça. Pas que tu peux venir chercher 50 roupies ou. Si vous pouvez mettre vraiment, quand vous pouvez dire poisson, vous ne pouvez pas mettre pile chaude. Vraiment, mettre poisson même. Quand on dit poule, vous ne pouvez pas mettre la poudre poule, magui. Vraiment, mettre poule. Bien là, mais barakat. Déjà 50, 650 roupies que vous gagnez là, ça compte, c'est quelque chose qu'Allah qui a fait wasser avec ça là. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a un bansé qui a fait ça. Il a fait un gâteau. Il y a plusieurs façons. Dieu connaît qu'on peut faire commerce, pas la cause. Il a dit, vous ne pouvez pas dire commerce. Hein, j'ai la scène. Il doit avoir un avion devant, il dit. Papa, vous avez un pilote. Quoi, il cause commerce, il cause avion. Qui n'arrive-vous? Combien saisissent à ce vendre-là sans qu'ils ont embêté du monde afin qu'ils aient des barakats? À partir de là,
Li bon nous connaît en même temps, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, li même tu préoccupes sur commerce. Ni me fait aller. Il a dit, vous n'avez pas commerce, avec là, seulement il nous a qu'il est. Mais dans le passé, il y a une djibout. Il y a fait ce travail, frère. Nous allons. Une guêpe de nous, culture qui nous vit, banque sino-mauricien, l'aïe royale, ça qui fait ce commerce. Il n'y a pas de poli, frère. Il n'y a pas de poli. Apprends-nous. Comment il rentre un petit peu dans l'as, ou tout ce gosse commence à bouder, oui, non. Selon nos compagnies, sans éviter un fils, un son, oui, non. Ils sont en train de venir en verse, oui, non. Vous avez même aucun business, frère. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit même, tu peux faire. Malgré qu'il parfois arrive, tu peux donner les autres faire. Mais là, comme on étudiait à l'heure là, il y a Allah avec son prophète, met barakat dans quelque chose. Une fois, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam confie un sahaba. Pour l'acheter un animal pour lui, ici quand on veut dire animaux, on veut dire une bête qui est capable de faire un sacrifice, un mouton, un cabri, un bouc. On ne dit pas chameau, hein, ben tu es là. Il demi un dinar. Et un dinar là où il y a un sel, hein. T'as reçu un dinar là où il y a un sel. Qui dit mon envie au gros? Il y a le tracé, il y a acheté 10 moutons. Il va un là-dedans. Il regagne un dinar et il gagne un mouton. On dirait avec ça, un qui est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a un dinar, il a un business en harmonie. Et il reste lui, amène le fruit, il amène avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un mouton avec ce un dinar qui est le dinar. Il donne ça. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, faire doua pour lui, qu'il y ait bénédiction. Je veux dire de ce business. Parce que ça, quand on peut dire, où, il y a un barakat dans le commerce, barakat ne pas dire, quand on met un billet d'Ival, de tu vois, demain quand vous tirez les mindés, ça donne quelqu'un qui est là. Tout le mal rend casse. Mais avec ça, un seul billet là, sa conception qui te peut faire pour l'eau dans le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait du pour les frères. D'être qui a dit ça, j'ai dit. Depuis ça, même les vannes dissables, il y a un profil là-dedans. Comment qu'il y a un dissable là? Dans ma dîner, entouré au dissable, sans qu'il pense à dissable. Mais l'invité n'a pas de dîmoun, même le dîmoun de Bazar, il va me dire, dîmoun il a ce qu'il y a, oui non. Et quand Barakat vient dans quelque chose, frère. Quand Barakat vient dans quelque chose, Allah veut les clients avec vous. La cause à l'air là, pour l'eau dans la commune, même maintenant de nous la tabli dans le fond. Par rapport à aussi dans Barakat là-dedans. Client là, vous descendez pour nous la table côté lui. Allah qui a envoyé ça. Ça qui appelle Barakat, frère. Ou la case, ou dans n'importe qui trouve le loup, ou trouve l'antique aller. Ici, ça sahaba là, dis-nous comme ça, pense à deux que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient faire pour lui là, depuis ça, même si il va dire ça, il dit profiter lui. Donc c'est pour ça, cher frère, c'est concentrer le barakat, le bénédiction qui est dans le business. Pas comment on se dire, finir trouver vous dans l'hôtel Lido, ou finir arriver à Sine, on va pas faire, ah, c'est fini de couler avant l'avion, c'est une fois là. Non, quand tu es qui tu es là, vise-toi, bénédiction. Troisième, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux frères, veut dire, un sahaba de son époque, pour agir avec sincérité, et tu peux recommander pour donner beaucoup ça d'accord. Tu peux recommander pour donner beaucoup ça d'accord. Moré Diaou, les commerçants, ce n'est pas celui qui décrit un businessman de son passeport, mais sa cala qui peut faire gâteau pour Ramzan pour vendre là-là. Vous ici devant là, où est un commerçant là.
Quand on peut dire, vous devez vendre rôti là, même un rôti plus bon, c'est nous autres, après l'un commerçant là, ou si vous tombez là-dedans, tu es ça d'accord. Qui fait? Nous prenons un hadith qui nous fait guetter, mais dire s'il est sincère, quand il dit, comme ça, puis mal là, pas trop faux. Pas pour la te mettre des piments qu'on fait là-dedans. Parce que, il est possible de perdre une grande du monde la case côté, ça brûle sur l'estomac, pour brûler sur l'estomac, ce qu'il y a autour. Jelly Front, vous connaissez, je vous dis, Sartinien est un peu faux. Jelly Front, vous me dites ce qu'on a fini. Qui a dit qu'il y a un cher frère? C'est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il trouve son bon compagnon en pleine activité, fait travail. De base, hein? Lui, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, disait, oh, bon commerçant, j'ai tout le temps la voix du prophète. Je vais lever, je vais dire, oui, il y a le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, disait, certainement, ban commerçant jour priyama pour lever comme ban péché. Mais Dieu, ban qui me fait péché. Ou bien comme ban désobéissant. Vous savez, vous voyez, certainement, ban commerçant pour lever comme ban désobéissant. Excepté celui parmi eux qui montrait la crainte d'Allah, la piété et qui est sincère. Veut dire qu'il paye à Allah pour l'article qu'il est vendu. Il y en a la piété qui a amené pour faire bonne action en d'autres mots qu'il commet, il faisait agir avec sa dimoun qui paye à Stella, pareil quand il est content, il a agi avec lui. Et qu'il est sincère par la cause, il a casse. Vous vous venez n'importe quelle façon. Non. Vous rejetez-toi l'article-là depuis l'année passée, ça. Vous rejetez-toi gâteau-là, pas gâteau grand matin, ça gâteau hier, ça. Vous rejetez-toi, vous rejetez-toi tout fond. Si tu fais comme ça, jour et jour, tu vas vous l'informer, banquier, désobéissant comme commerçant. Et deuxième, parce que sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, comme commerçant, certainement la vente. Il est accompagné de ban propos, on dirait qu'il n'y a pas besoin. Jurons ici, pas jouer, jouer, non. Mais dire ban parole déplacée. Le travail va venir, hein? Oui, prêche au travail, le où? Ou dire, il amène la clé 10. Il y a dit, ban nous la clé caïman? On m'a dit, la clé caïman, côté d'un 10, papa. Et prêche au travail, le où? Non, et pas dire qu'il fait grand travail, là. Puis il y a le débanané, je vais à peine quitter lui, au moins pour montrer le travail. Et il dit pas qu'on connaît la clé, c'est-à-dire. Arrivé dans quelque chose comme ça, oui, non. Comment nous refaire ça? Mais qui doit faire sallallahu alayhi wa sallam dire, ajoute ça d'accord là-dedans. Ajoute-le. Mais dire quand même tous les jours, tu tiens 5 roupies, 10 roupies, toi. Découvrir tout le déraillement qui finit, là. À la journée de travail. Découvrez les problèmes là. Fini, frère. Parce qu'il y a un déraillement là, il peut venir dire. Mais, pas qu'on dit, elle dit bout devant là seulement. Fini, la vie avant toi arrive devant là. Nous continuons, chers frères et sœurs. Nous prenons dernier, ça pour aujourd'hui. Pour une quelque chose qui est un frère qui est dans le commerce, un sœur qui est dans le commerce. Ni bon ni connaît, qui est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, qui nous recommande pour une intolérance. De dire, viens d'un tolérant envers ton client, malgré nous connaissons un client. Et toi aussi, en tant qu'un client, viens d'un tolérant envers le vendeur, parce qu'il comprend depuis grand matin, il peut débouter de sa soleil midi là. Pas d'y aller. Bonsoir, qui est arrivé? Depuis 9h, à matin, il est au débit pied. Tu as toujours deux bureaux là, toi. Toi, là, c'est ici, tu as roulé. Tu n'as pas morcé.
Ni libé matin le délivre, là la ligne. Tu sais, vous avez une tolérance. Ensuite, viden quelqu'un qui facilite les œufs de rester vendés. Rappelez-vous que Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu lui dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui Allah fait pitié, le Ndimoun qui fait preuve de tolérance à chaque fois qu'il y a sté, qu'il y vendait ou bien qu'il y réclame ce qu'il y méritait. Qui Allah fait pitié, gagne pitié pour lui. Qui ça n'a? Ça dit moun qui est tolérant quand il peut acheter. Veut dire qu'on peut acheter, façon qui baille, peut faire avec vous, peut remontrer vous, on dirait, moi, je suis trop content de vendre ça avec vous. C'est moi? Pas c'est vrai qu'on dit, vous comprenez rien. C'est vraiment moi, besoin de prendre, sinon, à notre place. Il est tolérant quand il peut vendre. Oui, vous voyez. Quand la laque a rentré, il fait où tu es tout ça, dit le bab qui est dans la mette en bas là. On tient casse mon vini. Bon, on casse mon Michel, il donne le teu là. Tu sais pas qu'on est arrivé à Godin, baguette pour qui? Sans dire, c'est bien contre ce Michel que tu ne peux plus le teu. On nous aime. Et on finit, tu as 5, 6, dit le bab, on met en bas là. Hein? Comment on remet ça là-haut? Ce 2.0 peut rentrer. Même affaire. Qui a déjà mon sac là, frère? Comment mon sac là? Zismazina l'a fait faire pitié le roi. Sa banque modèle là, Allah il a volé un moyen pour lui faire se pitié le roi. Ça. Mon zoli ou. Mon gène bachateur là, mon mazine. On dit, mon client qui vient faire l'or, ça roule là là. Eh, fini, guette. Ça a un grand taillé, il faut des guettes. Bon, vous avez un petit de pli, il est toujours bien allé. Et retourne ça, c'est-à-dire. Remettez-le, Djibout. Alors, ce deuxième modèle, il vient pas derrière. Dans ce moment-là, comment on peut dans sa patience, ça, frère? Zis Mazin, qui doit, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire pour vous. Qui lui dit, qui a la gagne pitié pour toi. Être tolérant, toi. Monzoli. Monzoli. Et troisième, que tu peux réclamer ton droit, réclame ton Dieu. Veux dire, il y a des semaines de. Tu veux qu'on décide pour payer, hein? Non, non. Une bonne façon de. Eh, va oublier mon location. Fini arrive 6 février là. Il y a des bonnes affaires, l'école, tout ça là. Donc, tu viens bien. Vous diriez ou tolérant malgré qu'il n'y ait pas qu'on paye ou des mois location là. Qui fait, qui fait? Non, qui veut gagner mon dos la tête, ça? Non. Mazine, qui doit, qui le prophète, il fait pour ça, il là. Allah vient pitié pour vous. La cause, elle est une locataire comme ça. Et la seule façon, on va approcher. Donc, un quelqu'un qui rentre dans le business, chers frères, dans le commerce, tiens, ça va qui se va mettre sur base, être tolérant. Pas pour attirer client. Client ou cravatier, dis ça? Client? Frère, la cause d'un sac plastique, les cavales prennent le plastique. Ne dis pas bout d'un sac là, d'un sac papier, c'est un gros. Hein? Allez, il y a le plastique. Et même si vous avez mis un sac, vous avez le coup de un sac là, il y a où vini, hein? Il y a où vini, il est sac fort de mis un sac. Sac client? Ou pas, pourquoi pas faire du plaisir ça? Mais de l'autre côté là-bas, ou vous avez d'un dimon qui tolérant. C'est pour ça qu'Ibn Hajar, rahimahullah, quand il explique le hadith qu'il trouve dans son Sahih Bukhari, il dit qu'on trouve, comment ce hadith a montré nous la tolérance dans une transaction avec, on dirait, nous évite une exigence. Quand il y a un dimon, quand on dirait, les bouts du manon montent là. Il pas juste des manus, pas les nazébus c'est gon. Les nazébus sont tiens. Moi j'ai un client qui m'a devant là. Quand il vous prend dalle pour il là-haut, vous voyagez au sein. Quittez les mots de terre, vous voyez, tu vous dois une fois là.
Vous dites qu'il y a une carte exigeant quand il était acheté, qui derrière les pour vous êtes pas clé ici quand il y a allé. Il y a ce modèle-là, frère. Il y a ce modèle-là. Donc, quand vous imaginez tout ça de la façon, là, dès que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit de préparer, ça dit qu'il y a des gens qui sont dans le commerce là. Et dernier, chers frères, nous passons là rapidement à hadith devant eux. Une fois Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, bienvenue dit à nous qui étions en voyage avec un samouf, samouf est fatigué. Jusqu'à lui-même, on dirait qu'il a envie de quitter samouf là. Il a envie de quitter lui. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bin Joanni, il tape samouf là et il fait deux pour lui. Samouf là commence à mort, c'est que moi je dis Zamenin mort dans la façon. Pour Jabir, c'est samouf là, hein. Comment ça m'a remorcé, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, 20 000 au moins, ou un 11. Un 11, au fait, c'est pourquoi il fait un 16e de un livre. Environ 28 grammes pour la diété. Un 11. So, ben, Inch'Allah, même qui vient au Z. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, 20 000 pour moi, 20 000 avec moi. Il dit, non. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, 20 000 avec moi. Il dit, ok, je vais venir avec vous à condition que vous laissez moi la case seulement. Parce que je connais que vous avez acheté, vous propriétaire. Mais vous avez acheté, vous avez acheté. Mais vous avez acheté. Vous avez acheté la case. Vous avez acheté la case. Il donne le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce chameau. Et il prend casse là. Après, de ce moment-là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit comme ça. Tu te trouves en discute avec toi le prix Samoula? Tu te trouves en discute avec toi le prix Samoula? C'est ok. Parce qu'il y a un 11. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Garde Samoula avec ton casse-là. Mais dire le prophète Salé là, il n'y a pas d'envie de rester Samoula. Mais il a envie de montrer comment mon asté, qui même mon patient a besoin, c'était juste pour cela, à ce moment. Ensuite, vous connaissez pour un besoin. Mais quand ça m'a dit, ça, c'est ben l'exemple qui vient vivant depuis l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas juste sur parole, frère. Pour montrer nous la tolérance dans l'université sans qu'il y ait une discute prise. Parce qu'il a là, nous peut causer un niveau d'amour, il arrive 135. Après, pour le banque qui parle habituel, la folle, hein. Je vois, c'est le banque qui doit boire, Dieu. L'état, on dirait qu'à la vie de la folle, il bat, la colla, il battait, 135, mon sang, il s'est écrasé sur moi. L'état, on dirait, bon, sans la racine, il faut se fatiguer, on dit, j'allais aller prendre 225. Vous demandez ça, quoi, ouf? La Hachille n'est pas satisfait de ce qu'il y a dans la livre là. Il redonne ça que tu ouvres. On dirait vraiment arriver à un moment, il rend nous la vie difficile. Mais le sous on doit lui dire ce qu'il prie. Les dents, les vendeurs, malgré qu'il y ait un sahaba là, nous prenons comme les vendeurs. Les vendeurs, j'ai dit comme ça, mais laisse-moi arriver à la case avant, après on va de nous. Oui, mais non, mon âme. Il m'a dit non, mais bon, finir, c'était, viens pour moi. Non. T'as envie de prendre une bonne année? Ce n'est qu'à la fin, tu as trouvé un discuteur, toi? À ce qu'il y a, Diabelle commence à réfléchir. Vous n'avez pas un discuteur, moi, le prix n'a rien là. Mais au fait, vous voyez, j'ai un poste là, moi. Prends Kassla, prends Chamoula, tout avec toi. Ça, ça qui est avec nous pour aujourd'hui. Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons avec 5, 10, 4, 10. On des autres, c'est une base qui vient dans le commerce, qui est déjà en a de nous dire, afin qu'il demain, Inch'Allah, mon frère et soeur, ça aide nous. De n'importe qui business qui nous peut faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sa bénédiction là-dedans. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.